bombardement ou après une éruption volcanique. Je vais le dire, j'y arrive. Non, je ne parle pas quand on est en déplacement, je vais le dire, parce que c'est fini.
Thank you.
C'est du blé au nord, on a déjà fait du blé. Ah, il y en a même pas. Ça sent le marfou. C'est sûr. Ça sent le marfou. Ça, c'est sûr. Notre linge, elle explique qu'est-ce qu'on a vécu et comment on vit cette période. Même un peu de sourire, est-ce que tu penses que, parce que sa mère l'a motivé des comportements, est-ce que tu penses qu'il aurait peut-être pu être marin, qu'il aurait peut-être pu atterrir à Marseille pour, je sais pas. Je sais qu'il y a 150 ans, il y avait des Colombiens qui devaient à Marseille. Comme vous le dites, il y avait beaucoup de marins coloriens. Ils faisaient le tour, mais... souvent, il venait, il restait à Marseille, en fait. Marseille, c'est là où il y a beaucoup d'émigration. Il se sentait à l'aise, il se voyait avant de repartir vers le bateau. C'est pas Tatou vers la rue du Gédou, vers Saint-Mauron. C'est toutes les petites maisons qui étaient les maisons... Les maisons des ouvriers qui bossaient dans les usines qui avaient vers là-bas, le comptoir La Victorine, tout ça. Les dates. Ouais, je dirais par rapport à l'espèce de cour. Parce qu'on est sur un autre type cours, on l'appelle donné, c'est des pavillons, des petites maisons. Mais ça, c'est si ça a été fait à la Belle-Denis, moi je dirais que c'est juste après. Je vous ai dit ça tout bon.
Dédicacé à Charles Pasqua, dont je parle si souvent à sa page.